Good evening, and thank you all for coming to the first installment of what we hope will be a very long speaker series organized by the University of Chicago French Club, the first of which is Neither Whores Nor Submissive, the Burqa Ban in France. I would like to start by thanking our numerous partners who have been a tremendous help in putting together this event. Mary Beth DeStefano from the International House Global Voices Program, Dan Burchi at the France Chicago Center, Fabrice Rosier from the French Consulate in Chicago, Emile Berge at the Alliance Française in Chicago, the International Students Association, the Center for the Study of Race, Politics, and Culture, the Center for International Studies, and Student Government. It is also thanks to the French Consulate, the Alliance Française, and the France Chicago Center that we are now being broadcast live in Milwaukee, Minneapolis, and Cincinnati to remote audiences who will later have an opportunity to ask questions via our moderator for this evening, Professor Bernard Harcourt. Professor Harcourt is the Julius Krieger Professor of Law and Political Science and Chair of the Political Science Department at the University of Chicago. His scholarship intersects social and political theory, the sociology of punishment, and penal law and procedure. He earned his bachelor's degree in political theory at Princeton, his law degree at Harvard Law, and his PhD in political science at Harvard. He has represented death row inmates in Alabama since 1990. He is also the editor of the French language edition for Gallimard of La Société Punitive, The Punitive Society, a course Michel Foucault, you Chicago students should be familiar with that name, gave at the Collège de France in the 1970s, which addresses issue of identity and exclusion in the 19th and 20th century in France, topics that will be relevant for tonight's event. He will be moderating the Q&A following Mrs. Fadela Amara's presentation. Our speaker tonight, Fadela Amara, is not your typical French politician. She came to politics through activism, and she came to activism through the death of her brother. Born of Algerian immigrant parents, Mrs. Amara grew up with six brothers and three sisters in a housing project outside of Clermont-Ferrand in France. When she was 14, she saw her five-year-old brother Malik get killed by a drunk driver. She saw the police side with the driver, and she heard them hurl racist remarks toward her parents. This was to be the starting point of a lifetime dedicated to improving life in the poor immigrant neighborhoods surrounding many French cities by defending women's free access to the public sphere. From 1981 to 2002, Mrs. Amara immersed herself in local activism and local politics. In 1986, she joined SOS Racisme, an anti-racism advocacy group created 2 years prior. She had to wait to join the group because her father thought a young woman had no place in such movements. In 2001, Mrs. Amara was elected municipal councilor in Clermont-Ferrand for the Socialist Party. The following year, she organized public meetings throughout the country to encourage women to speak out about the issues that affected them for the very first time, such as the mounting violence, the cult of virginity, and traditional practices such as female circumcision and polygamy. She was supported by neighborhood women, but not by politicians nor the media. So she then organized a nationwide march to speak out about the situation in this housing project. Faced with the immense success of the march, then Prime Minister Jean-Pierre Raffarin invited Mrs. Amara to present proposals aimed at improving life in the suburbs. By the end of the year, the provocative rallying cry, Ni pute ni soumise, neither whores nor submissive, became the name of an organization Mrs. Amara was to be the president of until 2007, when she was invited to join the government under right-wing President Sarkozy as junior minister for urban policy. There she broke with conventional methods and implemented instead community foreign politics to include residents of the banlieue in the decision process. And here we come to it. In the summer of 2010, a proposal to ban the veil from public areas in France made its way to Parliament, with full support from both Mrs. Amara and the new leadership of Ni Pute Ni Soumise. The bill became law in early 2011, with 70% of public support in France, though the law on the burqa has prompted many questions both in France and in the US, many of which we hope to hear from you tonight. Thank you. Bien, tout d'abord, laissez-moi vous dire le plaisir que j'ai d'être ici parmi vous. First of all, let me tell you how happy I am to be here amongst you.
Merci à la directrice de nous accueillir dans un endroit aussi prestigieux. Thank you for inviting me into such a prestigious location. Et mes remerciements aussi à Eve pour avoir organisé avec ses partenaires ma venue à Chicago. J'ai cru comprendre qu'il fallait dire Chicago. And especially my thanks to Eve who organized this with partners for me to come to Chicago. Alors, je vous propose une chose. I'd like to propose something to start. C'est de partir en France avec moi. You should go to France with me. Dans un voyage long, très long. A very long trip, a very long stay in France. Avec une explication sur la situation dans les banlieues parisiennes, entre autres. And with an explanation of what's happening in the working class neighborhoods in Paris, amongst others. Qui, j'espère, vont vous amener à comprendre en réalité pourquoi. And that would help you to understand the reality of why. Nous en sommes arrivés à légiférer dans notre pays contre le voile et contre la burqa. Why in France we legislated against wearing the headscarf or the burqa? D'abord, il faut bien comprendre que la situation de nos banlieues, qui étaient d'abord des quartiers ouvriers, First of all, you have to understand what we call the banlieue, which is a working class neighborhood in France. Et là, on est dans les années 60-70, 1970, pardon. In the 60s and 70s. Il y avait dans ces quartiers ouvriers, in these working class neighborhoods, des Français de souche, French who were traditional French from a strong French background who had family in France for a long time, et des immigrés que nous avions fait venir du Maghreb, and immigrants who lived alongside them who came from North Africa. Alors pendant des années, nous avons cohabité et vécu ensemble. And for many years, those two populations cohabitated, lived together. Et nous avons même milité ensemble. And we were even politically active together as well. Contre les injustices des différents gouvernements. Against the injustices, various injustices that were in place within the government. Notamment sur les questions d'exclusion sociale. Especially in questions or issues of social exclusion. Sur la question du pouvoir d'achat. On the issue of the buying power. Sur la question des conditions de travail. On the question of the working conditions. Donc nous avions l'habitude en réalité de vivre ensemble. And we really were able to live together. Mais pas uniquement de gueuler aussi ensemble. And also we were able to complain together at the same time. Et là pendant des années, ça s'est très très bien passé. And for years that went very well. Même si de temps en temps il y avait quelques actes ou quelques propos racistes. Even if once in a while there were a few outside acts, some signs of racism. Globalement, en réalité, ça se passait plus ou moins bien. On the whole, it actually went rather well. Les années passent. And then as the years came by. Et ces quartiers d'ouvriers où il y avait et des Français et des immigrés. In these working class neighborhoods where there were traditional French and immigrants. Sont rentrés dans un processus de ghettoisation. They went into a sort of a process of territoriality. Et nous avons eu nos petits Français. And we had the little French guys. Qui sont devenus un tout petit peu plus riches. That became a little more wealthy than the others. Qui sont partis de nos quartiers et qui ont acheté des pavillons. They would leave the neighborhoods to buy single-family houses in other places. Et sont restés scotchés dans la banlieue. And they stayed stuck in those neighborhoods. Les immigrés, donc les gens les plus pauvres. And so in those neighborhoods you had the immigrants and the poor people that stayed in those working class neighborhoods. Et des ghettos sociaux, on est passé au ghetto ethnique. And so from a social ghetto we went to an ethnic ghetto. Là, nous sommes dans les années 80. And that's in the 1980s. L'organisation à l'interne de ces ghettos ethniques. The organization is within these ethnic ghettos. Parce que les politiques ont été très lâches. Because the politicians were rather cowardly. Et n'ont pas voulu en réalité mener des politiques de peuplement et de mixité sociale. And they didn't really want to lead a policy that was a social policy to help those neighborhoods. On laissait tomber ces populations. They let those populations fall by the wayside. À l'abandon, ces populations se sont organisées entre elles. And so, since they were abandoned, those populations organized themselves. Et au lieu d'avoir une organisation républicaine, and rather than be more French Republican in their thinking, à l'intérieur de ces quartiers, within these neighborhoods, où la question de la liberté, de l'égalité, de la fraternité existe, les valeurs de la République, where the values of the French Republic, liberty, equality, and brotherhood exist, on s'est retrouvé dans une situation, we found ourselves in a situation,
ou c'était plutôt les traditions archaïques, where there were more archaic traditions that took hold, de ces ethnies qui sont venues, through these ethnicities that came to these areas, et qui ont, ils sont apparus au grand jour, sont apparus au grand jour. And they came to light, they came into the light of day. Et ici et là, on a vu la recrudescence de mariages forcés. So here and there we saw an upsurge in forced marriage. La pratique de la polygamie, comme l'a rappelé Eve. As Eve said, the practice of polygamy. La pratique de l'excision. Female excision was being practiced. Différentes formes de violence en direction des femmes. Various types of violence against women. Et dans les années 90, and then in the 1990s, la dégradation de ces quartiers s'est accélérée. The deterioration of these neighborhoods really accelerated. Avec au-delà de la question des discriminations et de l'exclusion, beyond questions of discrimination et de la pauvreté, and poverty, s'est rajoutée la question des fondamentalistes. There was the issue of fundamentalism that was added to the mix. Qui sont venus des pays étrangers. These people came from foreign countries, notamment d'Arabie Saoudite, especially from Saudi Arabia, d'Égypte, Egypt, et nous avons eu les frères musulmans, and we had Muslim brothers, et les salafistes, and Salafists, et les courants wahhabistes, the wahhabists. Enfin, c'est des courants de fondamentalistes religieux. It's a sort of fundamentalist group. Ils sont venus dans nos quartiers, and they came into these working class neighborhoods, pour prêcher un islam radical. To preach radical Islam. Très vite, nos jeunes qui étaient en situation de déshérence, and very quickly, our young people started to listen to this. Ont changé de comportement en écoutant ces imams autoproclamés. And while they were listening to these self-proclaimed imams, et ils ont changé de comportement avec leurs sœurs et avec les filles du quartier. They started to change their behavior with the women and their sisters in those neighborhoods. Et ils ont commencé à interdire les décolletés. And they started to say we could no longer wear lower necklines, les jeans serrés, or tight jeans, le maquillage, makeup, la fréquentation dans un espace commun avec les garçons. Girls were no longer able to hang out with boys in common areas, et le contrôle du corps, and a certain control over the woman's body. Et nous sommes arrivés à une situation très paradoxale. And so we came into a very paradoxical situation, où, à l'extérieur de ces quartiers populaires, where on the outside of these working class neighborhoods, la société avançait, society was making forward progress, avec notamment les mouvements féministes français, especially with the feminist movement in France, qui combattait et qui gagnait étape par étape des droits pour les femmes, which was making progress step by step for women's rights, sur les questions d'égalité de salaire, on issues of equal pay for women, sur la question des présences dans les grands conseils d'administration des grandes entreprises, par exemple, and also, for example, the presence of women in higher levels of business, sur la présence des femmes en politique, the presence of women in the political arenas, avec une loi qui est sur la parité, with a law on equal numbers of men and women in government, sur les questions de contraception, and issues of contraception. Bref, pour synthétiser, bref, pour résumer, so to put this all together, la première revendication des féministes dans les années 70 était le droit de disposer de leur corps. The first right of the women from this time was that they had the right to their own bodies. Et pendant qu'elles étaient dans un mouvement ascendant, and while the women other places were in a forward movement, nous dans les quartiers, pour la statue des femmes, on était dans un mouvement descendant. In these working class neighborhoods, women were actually going backwards. Alors oui, on était tous d'accord avec la parité. Everyone was in agreement that we should have equal numbers, equal representation in government with men and women. Sauf que nous nous battions pour exister, pour des questions de survie. But we were fighting issues of actual survival. C'est-à-dire que nous battions pour avoir la liberté de sortir. We were fighting to have the freedom to go out when we wanted to. La liberté de faire des études dans les universités. The freedom to take studies in the university if we wanted to. La liberté de choisir son compagnon de vie. The freedom to choose who we wanted for our life partners. La liberté de s'habiller comme on le souhaitait.
The freedom to choose how we wish to dress. Alors la parité pour nous était loin, très 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 loin. So government or representative equality was actually farther down the list, way far down the list. Et c'est dans ces années-là. And during these years. 90. In the 90s. Qu'ont commencé à apparaître notamment les voiles. That's when you started to see women wearing the headscarf. Alors les deux premiers voiles qui sont apparus dans l'espace, le paysage politique en France. The two first veils or headscarves that appeared on the French scene. C'était deux petites iraniennes. There were two Iranian girls qui venaient à l'école publique. That went to public school. Voilées. With the headscarf on. Bafouant ainsi le principe de laïcité de notre pays. And they were flaunting the law against secularism that Alors, was la laïcité, in place. So in the projects, contrairement à ce que certains déclarent, contrary to what certain people had declared, la laïcité c'est pas l'athéisme. The secularism is not being an atheist. La laïcité c'est pas l'interdiction de pratiquer sa religion. It is not you are not forbidden to practice your religion under French secularism. Au contraire, la laïcité aide et favorise en réalité la liberté de conscience. In fact, this secularism favors freedom of expression and conscience. C'est une valeur qui permet à des gens comme moi, it's a value that allows people such as I, et je parle en tant que femme musulmane croyante, and I'm speaking as a Muslim woman who is a practicing Muslim, de pouvoir pratiquer ma religion tranquillement et sereinement, to be able to practice my religion peacefully. Sans être menacé ni montré du doigt. Without being threatened or pointed out. À partir du moment où ma pratique. From the moment when my practice of my religion. Reste dans le domaine privé. As long as it remains within my private life. Ce qui est valable pour les musulmans. Which is valid for Muslims. Et valable pour toutes les autres religions qui existent en France. And all other religions that exist in France. Nous sommes un pays qui avons. We are a country. Comment on dit, bouffé du curé. Where we've eaten up the clergy. Nous sommes un pays qui avons défendu avec du sang versé la séparation du religieux et du politique. We have fought by spilling blood to have separation of church and state. Et il n'était pas question. And it was not at all a question. Que sous prétexte de l'émergence d'une nouvelle religion. That under the pretext of the emergence of a new religion, en l'occurrence la mienne, which would be my religion, on accepte et on tolère, that we would accept or tolerate, que la laïcité soit bafouée, that secularism would then be flaunted or thwarted, voire même blessée, or even wounded. Quand on est une militante comme moi sur l'égalité, when you are an activist for equality, le principe d'égalité doit s'appliquer à tous. The principle of equality must apply to everyone. Et le respect de la laïcité doit s'appliquer à tous. And the respect of this secular idea must apply to everyone. Alors à l'époque, en 89, so in 89, quand l'apparition des deux voiles par les petites iraniennes, when those two girls wore their headscarves, the two Iranian girls wore them to school, le gouvernement de l'époque, the administration, the government at the time, n'a pas légiféré. Did not do anything about this. A considéré they thought about it. Que les petites filles devaient aller à l'école. That they thought that those two little girls should be able to go to school. Et que peut-être l'école allait leur donner les outils. And that perhaps the school would give them the tools. De réflexion. To reflect. Et que demain, en grandissant. Que demain, quand elles auraient grandi, And so in the future, when they would be growing up, elles décideraient avec personnellement. They would make personal decisions in this direction. Et cette décision qui a été prise à l'époque par ce gouvernement, and this decision that was taken at the time by the government in place, nous a mis dans une situation catastrophique. Put us into a catastrophic situation. Parce que de deux voiles, nous sommes passés à 100. From, we went from two girls wearing the headscarves to 100. De 200 à 300 à 1000. To 200, to 300, to 1000. Et pendant ce temps-là, les courants fondamentalistes. And during that time, the fundamentalists. Continuaient à travailler nos jeunes dans les banlieues. Were continuing to work on our young people in the working class neighborhoods. Et de plus en plus.
And more, nous avons vu des femmes qui sont devenues des victimes. And we had more and more women who were victimized de ce courant fondamentaliste. By this fundamentalist current. Alors qu'on s'entende bien. So we used to understand each other. Je sais qu'on est tous très attachés à la liberté de conscience. I know that we're all very attached to freedom of consciences. Mon pays, my country, considère que le voile est un signe religieux. Considers that wearing the headscarf is a religious symbol. Moi, myself, je considère que c'est pas un signe religieux. I don't consider it a religious symbol. Mais que c'est un signe d'oppression en direction des femmes. And I think myself that it is a symbol of oppression of women. Il y a eu des débats en France sur cette question-là. There have been debates in France on this issue. J'ai perdu. I lost. La bataille. I lost the battle. On a considéré que c'était un signe religieux. It has been considered a religious symbol. Et donc, pour casser la dynamique de la propagation du voile, and so to break up the dynamics of the spread of the use of the headscarf, dans nos établissements scolaires, dans nos écoles, in our schools, in our public schools, en 2004, in 2004, nous avons légiféré contre l'interdiction de tout signe religieux. We went to legislate against any religious symbols in the schools. Dans les écoles. In the schools. Et ensuite. And then. Nous avons continué avec le mouvement Ni pute ni soumise. We continued with the movement Ni pute ni soumise. Which, non, en anglais. And I was. J'allais faire là. Neither whores nor doormats. Voilà. Il faut assumer le cri de combat. Hein. Pardon? Il faut assumer les cris de combat. We have to take responsibility for our war cry. Et donc nous avons continué à lutter contre les formes de sexisme qui existent dans les quartiers. And so we continued to fight against forms of sexism in our neighborhoods. Contre toutes les formes d'injustice qui existent dans ces quartiers-là. Against all the forms of injustice that existed in those neighborhoods. Que ce soit les questions de lutte contre les discriminations. Whether it be fight against discrimination. La lutte contre l'exclusion. The fight against exclusion. La lutte contre le chômage. The fight against unemployment. La lutte contre la pauvreté en général. And the struggle against poverty in general. Mais avec une attention particulière aussi sur la question des femmes. But especially with a specific view towards women's issues. Donc la lutte ferme contre toute forme de violence et d'oppression en direction des femmes. A strong struggle against all types of oppression of women. Alors évidemment, on n'a pas que des amis. So obviously, not everyone's on board with this. Nous avons eu un gros souci dans notre pays. We had a huge problem in our country. Qui a fait perdre du temps en réalité au combat féministe. Which has made us lose some time in our struggles for women's rights. Notamment à celui qui a émergé des quartiers populaires. Especially coming out of the working class neighborhoods. C'est que l'élite de notre pays, the elite in our country, certains intellectuels de gauche, certain, intellectuals on the left, des hommes et des femmes politiques, men and women in politics, ont considéré qu'en stigmatisant le voile, on stigmatisait une communauté. Felt that if we denounced the veil, we were denouncing the community. Et ils étaient assez frileux, and they were rather touchy about this, pour aller jusqu'au bout, to take it to its final completion. Et pour éradiquer en réalité la question des violences faites aux femmes dans les banlieues. And to eradicate any sort of violence against women. Alors ce temps de laxisme. And so this period of laxism. Alors que moi je souhaitais déjà en 2004 introduire l'interdiction de la loi contre la burqa. Whereas in 2004 I was already for introducing the law against wearing the headscarf. Qui a eu lieu malheureusement très tardivement pour moi, puisque la loi a été promulguée en 2011. And it took a while to happen because the law was finally promoted in 2011. Pendant cette période de temps, during this period of time, les courants salafistes, the Salafist movements or currents, ont été dans beaucoup, beaucoup de quartiers populaires. Had moved into many, many working class neighborhoods. Alors je vais faire une comparaison, mais ne le prenez pas mal. I'm going to make a comparison, but please don't take this badly. Mais ils ont fait comme Obama a fait. They did pretty much what Obama did. Quand Obama a été candidat, il a, avec ses amis, il a été dans les appartements.
Obama went door to door and was knocking on doors. Il y a eu des coups de fil. And he made phone calls. Et ben les courants fondamentalistes, ils font la même chose. And so the fundamentalists did the same thing. Ils font du militantisme. They're activists. Ils vont dans les appartements. They go to apartments. Ils téléphonent aux gens. They telephone people. Ils les convainquent. And they convince de rentrer dans les courants fondamentalistes. To enter into the fundamentalist current of thinking. Ils ont payé des filles. They paid girls pour qu'elles portent le voile. To wear the veil. Afin que l'opinion publique française to try to alter the French opinion s'habitue à la présence de ce voile. To become used to seeing the headscarf. Et nous nous sommes retrouvés dans une situation and we found ourselves in a situation où au-delà de ce qu'on appelle le hijab, le voile. Oh, outside of this veil, on s'est retrouvé avec des burqas. We found ourselves wearing what's called the burqa. Alors il a fallu taper un grand coup de poing sur la table. And so it was time to just pound on the table in rage. Le mouvement Ni pute ni soumise a assumé. The movement neither whores nor doormats assumed responsibility clearly. Ses positions. For its position. Et j'ai fait une interview dans un grand journal en France. And I was interviewed in one of the big newspapers in France. Où j'ai demandé l'éradication de la burqa dans notre pays. Where I asked for the eradication of burqas in our country. Il faut bien comprendre. And you must understand. Que contrairement à ce qui se dit. That contrary to what they say. La burqa est d'une certaine manière le voile. The burqa is in a certain way the veil as well. Ce n'est pas par conviction religieuse. It's not a sign of religious conviction so much. Ça devient aujourd'hui dans notre pays en Europe un étendard politique d'un projet politique fascisant. It's become in our country and in Europe a sort of a flag of a political movement. Je vous donnerai trois possibilités de jeunes filles ou femmes qui portent le voile. I will give you three possibilities for women or girls who wear the headscarf. Il y a des jeunes filles et des femmes qui portent le voile par conviction religieuse. There are women and girls who wear it by reason of religious conviction. Dans notre pays, elles sont minoritaires. And in our country, those are in the minority. Moi, je ne partage pas, mais je respecte. I don't do it, but I respect that. Il y a celles qui portent le voile par contrainte. There are those who wear the veil because they are constrained to do so. They're forced to do it. Forcées par le contexte dans lequel elles vivent. Forced by the context of the life that they live. Comprenez bien que pour un garçon, une fille qui porte le voile, elle est respectable. That they understand that if they wear this, they are it gives them a certain respectability. Et une fille qui porte pas le voile est une pute. And a girl who does not wear it is considered a whore. Et donc elle n'est pas respectable. And in that way, she's then not respectable. Et donc elle n'est pas respectée. And she is not respected. Et il y a troisième catégorie and the third category de femmes qui portent le voile. Of women who wear the headscarf. Et c'est celle-là qui m'intéresse. And this is the category that interests me. Et c'est celle-là que je combats. And this is my fight, my battle. Ce sont les militantes politiques. These are the political activists. Elles ont, avec leurs comparses masculins, they have, along with their masculine counterparts, instrumentalisé politiquement l'islam. They have instrumentalized, politically instrumentalized Islam. Elles s'inscrivent dans une idéologie totalitariste. And they've joined into a certain ideology. Elles font partie de ces mouvements internationaux. They are part of an international movement. Dont vous entendez certainement parler à la télé. You've certainly heard about it on television. Qui sont pour l'instauration d'États islamiques partout. That is trying to install Islamism everywhere. Alors il faut laisser tranquille les filles qui portent le voile par conviction religieuse, même si je ne partage pas, je respecte. So for the girls who are wearing it by religious conviction, we have to respect them and let them do what they want, and I respect that myself. Mais il n'est pas question de laisser l'espace à ces militantes politiques. But it is not, we cannot let the space, we cannot allow the militants who are politically motivated to wear this. J'ai toujours été une militante pour les droits de l'homme, avec un grand H. I was always an activist for the rights of man, in parentheses, women as well. J'ai toujours combattu l'extrême droite dans mon pays. I have always fought against the extreme right in my country. Que je trouve dangereux dans leur discours fascisant. That I find really dangerous in a fascist way. Je,
in our discussion. Et je n'ai pas d'état d'âme à combattre les islamistes. And I have no qualms in fighting these Islamists. Qui représentent pour moi ce que j'ai appelé le fascisme vert. Which represents for me what I call green fascism. Les premières victimes de ces fondamentalistes. The first victims of these fundamentalists. Au-delà d'être les femmes. Beyond women, ce sont d'abord et avant tout la communauté musulmane. Is the Muslim community. Parce que souvent, il est fait l'amalgame entre l'islam en tant que religion et en tant que foi. Because they sometimes mix together Islam and the Muslim religion. Et l'islam instrumentalisé politiquement, qui est un projet politique. And Islam that is a politically active force. Et cet amalgame. And this mixing together. Souvent porté par les médias, par ailleurs, which is also brought about by the media, et par l'extrême droite, and by the extreme right, met en situation de difficulté la communauté musulmane. Puts the Muslim community into a dangerous situation. Aujourd'hui, le combat contre les fondamentalistes islamiques, today, currently, the fight against the fundamentalists, tout courant confondu, salafisme, wahhabisme et compagnie, all the different groups, the Salafists and others combined, n'est pas un problème franco-français. Is not only a French-speaking or French country issue. C'est un problème international. This is an international problem. Quand vous regardez ce qui se passe dans les pays arabes et dans les pays musulmans, if you look what's happening into the Arab countries and the Muslim countries, ils sont eux-mêmes travaillés par ces courants fondamentalistes. They are themselves working with these various fundamentalist issues. Et on voit bien aujourd'hui, and we can see today, que dans les révolutions dans les pays arabes, je pense particulièrement à la Tunisie, that in the revolutions in Arab countries, and I'm speaking especially of, I'm thinking of Tunisia especially, et en Égypte, and in Egypt, il y a vraiment une tentative de confisquer les révolutions. There is an attempt to confiscate the revolution. Portée par des hommes et des femmes progressistes. And it's brought about by progressive men and women at the same time, qui ont l'idéologie, who have the ideology, de vouloir instaurer une vraie démocratie dans ces pays-là, that want to really install a democracy in those countries, un état de droit, a land of laws, avec comme principe fondateur, with a founding principle, la laïcité, secularism. Alors il est évident que si nous en France, so it's obvious that for us in France, notamment ceux qui appartiennent à la communauté musulmane, especially those of us who belong to the Muslim community, laisse passer les courants fondamentalistes dans notre pays, if we let these currents run in our country, c'est une double manière d'abandonner, it's a double-edged sword to let something happen, mes camarades de combat dans ces pays arabes, to abandon, I'm sorry, d'abandonner mes camarades de combat dans les pays arabes. To abandon my companions in other Arab countries. Et d'ailleurs, j'ai l'occasion de beaucoup voyager. And I've had the opportunity to travel quite a bit. Et les hommes et les femmes que je rencontre, et particulièrement les féministes de ces pays arabes et musulmans. And the people I've met that I've been able to meet, especially women from Arab countries. Me disent tous. All tell me. Ne lâchez pas sur la question du voile. Si vous lâchez, nous, ça va être encore pire. Don't give up on this issue of the headscarf because you will be letting us go. Alors, je sais bien qu'il y a une vraie polémique autour des deux lois, à la fois sur le voile et à la fois sur la burqa. So I know that there is a controversy on the law, the double law about the veil and the burqa. C'est la question de la liberté de conscience. It's a question of freedom of consciousness. C'est le droit de décider, le droit du choix. It's the ability to be able to choose. On est tous pour. We are all for this. Sauf qu'à un moment donné, except for a certain time, quand vous avez affaire à des soldats du fascisme vert, when you are in front of soldiers for the green fascism, à celles et ceux qui en réalité au bout de leur projet politique, those who want to go take to the very end their political projects, ne veulent pas instaurer la démocratie, they do not want to install democracy, mais un régime totalitariste, but they'd rather have a totalitarian government, à l'identique de ce qui se passe en Arabie Saoudite, identical to what's happening in Saudi Arabia, à l'identique de ce que nous voyons en Iran, as what we are seeing also in Iran, il n'est pas question que nous laissons faire les choses. Je préfère légiférer. I would prefer that we legislate.
Faire en sorte que les lois protègent les filles qui ne portent pas le voile et qui veulent résister. That the women not wear the veil. Plutôt que de les abandonner. Rather than abandon them. Et de les faire assassiner par les islamistes. And to have them be assassinated by the Islamists. C'est un choix politique que j'assume totalement. This is a political position that I take total responsibility for. Et qui m'a conduit à une condamnation à mort. Qui m'a amené à une condamnation à mort. And has led me to be condemned to death. Voilà, le débat est ouvert. So the debate is now open. We've got a mic in the middle here, and people can come up to the mic to ask questions, and we will translate them into French. And I'll also be receiving questions remotely from Minneapolis, Milwaukee, Cincinnati, and the Alliance in Chicago. Does the marginalization of working class communities in France represent a failure on the part of labor and the left in France? Oh, il est dur, hein? He's tough. On est dur à Chicago. Oui, non, we're tough in Chicago. Alors, c'est complexe. It's very complicated. Je dirais pas que c'est l'échec de la politique de la gauche. I would not say that it's a failure of left politics. Parce qu'à chaque fois que la gauche a été au gouvernement, il y a eu quand même des avancées. Because every time the left has taken power, there has been progress. Mais là où la gauche n'est pas claire. But where the left is not very clear. Alors que c'est elle qui a porté le principe de laïcité. Even though the left was the one that brought in the principle of secularism. A été en fait très en retrait au moment où Ni pute ni soumise est apparue dans l'espace public. They kind of stepped back at the moment when neither horse nor doormats was making its move. Alors je dirais pas toute la gauche parce que François Hollande était présent à nos manifs. I wouldn't say all of the left because François Hollande was on board with this. Il a d'ailleurs toujours soutenu le mouvement Ni pute ni soumise. And he has always supported this movement of neither horse nor doormats. Mais le Parti socialiste en général, pour une majorité, n'était pas d'accord avec ce que faisait le mouvement Ni pute ni soumise. But generally speaking, the left, the socialist party was not in agreement with our movement. Moi, je suis en désaccord total avec un certain discours de la gauche. And I'm in complete disagreement with certain discussions on the left. Je suis même un produit de la gauche. Je suis resté 23 ans au Parti socialiste. I'm a product of the left. I was in the Socialist Party for 23 years. Mais je crois que la gauche doit assumer. But I think the left has to take responsibility. Que l'évolution ou la non-évolution des quartiers. For either the improvement or the lack of improvement in these working class neighborhoods nous a amené à traiter de sujets nouveaux. Should lead us to open discussions again. Alors c'est pas uniquement la faute à la gauche ce qui se passe dans nos banlieues. It's not only the fault of the left what has happened in our in these neighborhoods. Juste pour mémoire, la droite est restée longtemps au pouvoir. Just so you remember, the right was in power for a very long time. Et donc elle porte une responsabilité historique aussi. And they have a historic responsibility. Mais là où en tant que femme de gauche j'ai été blessée, but myself as a woman from the left where I was really hurt, c'est que l'idéal puisque je suis socialiste, hein, l'idéal socialiste pour moi, it's that the socialist ideal, c'est que le combat pour l'émancipation des individus, le progrès social, and the battle for emancipation of the individual and social battles, et la lutte contre toute forme d'injustice, and battles against all kinds of injustice, et l'essence même d'un projet de gauche, is within the direction of the left. Et quand nous dans les cités nous étions oppressés, and when we in the projects were oppressed, une partie de la gauche a refusé de nous aider, some of the left refused to help us. En disant que c'était stigmatisant, qu'il fallait pas heurter la communauté musulmane. Saying that it was kind of stigmatizing us and that it was separating the Muslims community. Et aussi parce qu'ils étaient dans une tolérance extrême. Especially because they were within an extreme tolerance. Sur ce qu'on appelle le relativisme culturel. That we call cultural relativism. Où ils disaient tout simplement, après tout, c'est leur tradition, ça ne regarde pas. Where they said all these traditions, it's none of my business. Sauf que quand cette tradition archaïque, except for archaic traditions, touche à l'intégrité physique et morale d'une femme, when it touches to the integrity of the woman, normally, les forces progressistes doivent agir. The progressive forces should act. Aujourd'hui, moi, je suis contente. Today, I'm happy.
J'ai entendu mon président, I heard my president déclarer qu'il allait renforcer la laïcité. Make a statement that he was going to reinforce secularism. Et tant qu'on renforce la laïcité, and while this is being reinforced, on protège les femmes. We are protecting women. Heureusement que j'ai voté pour lui d'ailleurs. Fortunately, I did vote for him. All right. Merci. All right, I have a question from Cincinnati. So the question is, how do you distinguish for real the difference between the militants versus the believers versus those who are forced to wear the veil? Alors comment les distinguer quand on est à l'extérieur? C'est très compliqué, très difficile. How can you distinguish them if you're looking from the outside? It's really difficult. Par contre, moi qui vis à l'intérieur et qui ai grandi dans les quartiers, on the other hand, I grew up in that neighborhood and I know. Ça nous est plus facile parce qu'il y a des signes de reconnaissance. It's easier for us because there are certain signs of recognition. Et c'est vrai qu'il faut avoir une connaissance, je dirais presque physique. So there's a sort of a physical recognition of this. Et une présence quotidienne. And a daily presence. Dans ces quartiers-là pour comprendre. That you have to have in these neighborhoods in order to understand. Et faire la différence. And to be able to distinguish. Mais l'essentiel pour moi. But the essential, as far as I'm concerned. C'est vraiment que dans l'opinion publique. Is that in within public opinion. Et dans le débat politique. And within the political debate. On ne fasse pas l'amalgame entre la religion en tant que foi. We don't mix together religion as a that's seen as a faith. Et le projet politique porté par les fondamentalistes. And the political projects that the fundamentalists are trying to promote. Ça c'est très 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 important. That is very very important. All right. Yes, sir. Hi, I'm a first year student at the college. I'm from Turkey, which is. Where are you from? Turkey. Istanbul, and which is known to be a secular country that has a population of 99% Muslim, which is a 99% Muslim population. I don't know how familiar you are with the discussions about the burqa, wearing the burqa in schools and in universities in Turkey, but I would say we're facing a very familiar, if not worse, situation in my country as well. And under the rule of a very conservative government for the past 11 years, we abolished all the laws that sort of used to strengthen the secular unity and the structure in our country. And which is also very familiar to your country as well. The left in my country couldn't stand strong and in unison against this fundamentalist movement. And how would you say the international leftist movements like the Socialist International or like the European Leftist Party or other leftist conferences, what would you say is the role of this international community, international leftist community, would be to sort of help the leftist movements that are sort of struggling in their country to fight against these fundamental movements? J'espère que je vais pouvoir répondre et que j'ai bien compris la question. I hope that I've understood the question. Mais sur l'international socialiste. As concerns international socialism. Et dans la manière dont elle doit agir pour être en solidarité et soutenir and, les forces progressistes. And the way that we need to be united to work for a progressive movement. La première des choses, à mon avis, c'est qu'il faut qu'il fasse un nettoyage mental. The first thing I think that needs to be done is to have a sort of a mental cleaning. Il n'est pas acceptable, par exemple, d'avoir en son sein dans l'international socialiste to not have within the heart of their international socialism des personnes qui se revendiquent socialistes et qui sont en réalité dans la pratique des dictateurs. People who say they're socialists but in fact are dictators. Il n'est pas acceptable, c'est pas peine que je vous donne des noms, vous savez de qui je parle. I'm not going to give you names, you know who I'm speaking of. Il n'est pas acceptable non plus is not acceptable either qu'autour de la table dans l'international socialiste that around the table of international socialists se trouvent des hommes you would find men qui ont des grandes responsabilités dans leur pays who have huge responsibilities in their countries et qui mettent en place des lois contre les femmes
and who still put in place laws that oppress women. Donc il faut vraiment faire le nettoyage. So there has to be a general cleaning. Et ce nettoyage, il doit passer en réalité par une exigence extrême. And this cleaning has to go through a strong requirement. C'est de ne tolérer aucune forme d'oppression en direction des femmes. That there be absolutely no oppression of women. De faire en sorte que les processus d'émancipation touchent les femmes. In such a way that the processes of emancipation help women. Je parle particulièrement des femmes parce que c'est le maillon le plus faible en général dans les sociétés. I am speaking of women because they are generally the weakest link in society. Et qu'à travers la libération des femmes, and that through the liberation of women, et de la dynamique de l'égalité des droits, and the dynamics of the equality of rights, on fait aussi avancer la libération des hommes. We also are liberating men at the same time. Et ça, c'est un vrai combat. Moi, je regrette. And that's a true battle. Moi, je regrette, par exemple, I really regret, for instance, que pour des raisons de réalité politique, for certain reasons of political reality, on est soutenu des dictateurs. That we are being supported by dictators. Et en catimini, on soutenait avec la, comment on dit chez nous, avec la langue. And that very quietly, our freedom of speech is being taken away. Mm-hmm. C'est-à-dire en catimini. Very surreptitiously. Des forces progressistes. By progressive forces. Mais ça n'a jamais été pour l'international socialiste. But it was never within the international socialism. Affirmer ouvertement et publiquement. To affirm openly and publicly. À la fois des condamnations fermes pour ces hommes et ces dictateurs. To condemn strongly these men and these dictators. Et d'organiser concrètement et réellement. And to organize concretely and realistically. Un soutien aux forces progressistes de ces pays-là. A support for the progressive forces. C'est pour ça qu'il y a des moments où on a eu certain times, souvent de la part de, par exemple, des forces progressistes qui font des révolutions dans les pays arabes, often from progressive forces in some of the Arab countries, des critiques contre l'international socialiste. There have been criticism of the International Socialist Party. Très compliqué. It's very complicated issue. Le jour où je serai la présidente de l'International Socialiste, the day that I become the president of the International Socialist Party, je ferai le nettoyage. I will do a little cleaning. Très bien, merci. All right. Next, I have a question from Minneapolis. So it's in French. I'll read it in French and then you can translate it to the audience, perhaps. Okay. La lutte que vous avez menée contre le port du voile a dû vous mettre en contact avec les coins de l'extrême droite. Qui cherche à supprimer l'islam de la France. Un petit mot. Oh, sorry. Oui. Okay. The struggle that you've been leading against the veil has put you in contact with extreme rightists who probably are trying to suppress Islam in France. Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir à gérer ce conflit? How did you manage to negotiate that tension and conflict? Ah, c'est une excellente question. It's an excellent question. Parce que c'est très compliqué. Because it's very complicated. Effectivement, quand on... In fact, le combat de Ni Pute Ni Soumise, the battle of neither horse nor doormats, contre le fondamentalisme religieux, against religious fundamentalism, qui n'est d'ailleurs pas dirigé uniquement contre les fondamentalistes musulmans, hein, which is not only directed against Muslim fundamentalists. Parce que nous avons aussi les fondamentalistes catholiques, les fondamentalistes juifs. We also have Catholic fundamentalists and Jewish fundamentalists. En général, ces trois religions sont en concurrence. These three religions are in competition with each other. Mais quand il s'agit d'oppresser les femmes, ils sont tous d'accord. But when it comes to be a matter of oppressing women, they're all in agreement with each other. C'est dire le travail, hein. That's the truth. Et donc, c'est vrai que le discours et les positions radicales de Ni Pute Ni Soumise. And so it's true that the discussion with neither horse nor doormats peuvent, je dirais, asseoir, peuvent crédibiliser. Can bring credibility. Des discours xénophobes, racistes, anti-musulmans. To xenophobic or racist discussions. Et donc nous avons eu effectivement affaire avec l'extrême droite. And so we had to deal with the extreme right. Mais la différence qu'il y a entre l'extrême droite et nous, but the difference between the extreme right and us, c'est que nous nous défendons, is that we defend
La République. The Republic. Les valeurs de la République. The values of the Republic. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. It sounds nice in French. Liberty, freedom and brotherhood. Et que l'extrême droite. And that the extreme right. Déteste la République. Hates the Republic. Et leur triptyque à eux. And their various their discussion. Les valeurs qu'ils défendent en réalité. The values that they are defending in reality. C'est travail, patrie, famille. Is work, country, family. Ça n'a rien à voir avec les valeurs de la République. And has nothing to do really with the values of the Republic. C'est deux projets différents. They're two completely different projects. Moi, je suis pour le vivre ensemble. I am for living together. Et ceux, eux, ils sont pour la préférence nationale. And they are for national preference. C'est d'ailleurs pourquoi dans les débats, on s'affronte souvent. And that's why we have conflicts very often. Mais le risque existait d'asseoir, de crédibiliser leur discours. But the risk is there to have their discussion gain credibility. Moi, j'ai eu beaucoup de débats avec mes amis. I've had a lot of debate amongst my friends. Et en fait, j'ai décidé de prendre la parole en tant que femme musulmane. And I decided to become a spokeswoman as a Muslim, a practicing Muslim woman. Plutôt que de laisser l'espace à l'extrême droite. Rather than leave space open for the extreme right to step in. Ce sont des sujets qui existent dans notre pays. These are issues that exist in our country. L'opinion française avait des doutes, des interrogations, voire des craintes. The French population has doubts and fears. Il est préférable que ce soit une fadela qui en parle. And it would be preferable that it's somebody named Fadela that speaks about it. Plutôt que la folle de Marine Le Pen. rather than Marine Le Pen. There was a qualification, yes, of Marine crazy Le Pen. Crazy Marine Le Pen. Okay. Excuse me. Merci. All right. Yes. Hello. Sorry, I have a cold, so you probably won't be able to hear me very well. My name is Hoda. I'm a first year here at the university. I'm also a Muslim, and I'm also not oppressed. I wear the hijab based on my own accord, and I know that you say that you talked to a lot of people who said that they were forced to, but I also have traveled around the country and around the world. Everyone who I talked to said they did it based on their own accord. I'm also a feminist, and I think it's kind of ridiculous that oppression has become proportional to the amount or lack of clothes on someone's body. My body belongs to me and no one else, and how can you offend this law that it's not being just another limitation on my regulation and my power over myself as a woman? If you want to see real oppression, just look at the widespread eating disorders that women are faced with from mass media, from anorexia and bulimia and everything that makes women want to look like fit into a very small rubric of beauty. That's oppression, not a ban on a law that limits my freedom of expression and religion. So how can you say that you're for women's rights when you support a law that limits my rights as a woman? Thank you. Thank you. Ça, c'est l'éternel débat qu'il peut y avoir entre vous et vos positions, et moi et mes positions. This is the eternal debate that we can have between you and your position and my position. Si vous avez bien écouté tout à l'heure, j'ai parlé des filles qui portaient le voile pour des raisons religieuses. If you heard my discussion that I gave just a minute ago, you heard that I support women who wear the veil for their religious conviction. J'ai dit la chose suivante. And I said the following. Je suis en désaccord. I'm against it. Mais je respecte. But I respect it. C'est pas elle qui m'intéresse. That's not what interests me. C'est les militantes politiques. It's the political activists. Maintenant, il y a un désaccord de fond entre vous et moi. And we have some agreements. En tant que femmes musulmanes toutes les deux. As well, since we are both Muslim women. C'est que vous réduisez le voile à un signe religieux. That you are wearing this as a religious sign. Pour moi, le voile n'est pas un signe religieux. For me, the veil is not a religious symbol. Le stéréotype de la femme musulmane voilée. The stereotype of the Muslim woman who is wearing a veil est un mensonge historique. Is a historic lie. La pratique du voile a existé avant l'avènement de l'islam. The practice of wearing the veil existed before. Avant l'avènement de l'islam. Before the beginning of Islam. C'est très lié à l'environnement dans lequel l'islam est arrivé. And it was an environment that where Islam came to be. C'est comme la burqa.
It's like the burqa. C'est une pratique en Afghanistan, par exemple. It's a practice in Afghanistan, for instance. Ça n'a rien à voir avec l'islam. It has nothing to do with Islam. Et j'en veux pour preuve, même si je ne suis pas une spécialiste et une érudite de l'islam. And I can give as proof, even though I'm not a specialist in this area. Vous avez quand même un des grands, même si je ne partage pas tout avec lui, mais un des grands scientifiques qui est mort depuis. Somebody who has died since, one of the greats. Qui était celui qui dirigeait l'université d'Al-Azhar. Who was the person that directed the university of? Al-Azhar, en Égypte, la grande université musulmane. The huge Muslim university in Egypt. Érudit. Who was a well-instructed man. Très écouté. Who was listened to by the public. Autorité dans l'islam. Who was an authority in Islam. Qui a déclaré au moment où il y a eu le débat sur le voile et la burqa. And who entered into the debate on wearing the burqa. Que la burqa n'était absolument pas un signe de l'islam. Who said that the burqa is absolutely not a sign of Islam. Vous savez comme moi que dans l'islam, il y a différentes écoles de pensée. There are different schools of thought within Islam. Moi, je suis dans celle qui pense que le voile est un outil d'oppression. I am within the school that thinks that the wearing the veil is a sign of oppression. Je vous respecte. I respect you. Mais peut-être que je vais vous heurter. But I might bump into you. Il m'est difficile d'accepter. It is different from... Offend you. Sorry, yes. Okay. Can I ask a follow-up question? Sure, a short one. Attends, mais j'ai pas fini. I just have to finish. Juste, je termine. Let me finish, please. Il m'est difficile d'accepter, de supporter. It is difficult for me to accept wearing. En tant que musulmane. As a Muslim. La culpabilité qu'on essaye de nous faire porter. The guilt that they are trying to make us wear. En tant que femme. Since we are women. Parce que le voile, en réalité, au-delà d'être aujourd'hui un projet politique, because the veil, other than a political project, c'est quand même la castration du sexe féminin. Is the castration of the female sex. Moi, j'ai pas honte d'avoir des seins. I am not ashamed to have breasts. J'ai pas honte d'avoir des fesses. I'm not ashamed to have a bottom. Pardon de le vous dire si crûment. Speaking rather crudely. J'ai pas honte d'avoir des formes féminines. I'm not ashamed to have feminine shape. Je crois en Dieu. I believe in God. C'est pas la peine de me voiler. And there's no reason for me to hide this under a veil. Pour me cacher moi. To hide myself. Sous prétexte que je peux susciter le désir de l'homme. Under the pretext that I might incite a desire in a man. C'est pas de ma faute si je suis faite comme ça. It's not my fault that I'm built the way I am. Et parce que je suis croyante. And because I'm a believer. Je vous dirais que c'est sa faute à lui. I would say it's his fault. All right, we get a short rebuttal. Go ahead. Okay. While I do respect that you do not wear the veil, and I am completely okay with anybody who doesn't wear the veil, also I am not saying that I'm ashamed of who I am or who God made me. I believe in God too. I'm happy with what I have. I'm also a feminist, as I mentioned before. But wearing veil, I don't think, is a symbol of oppression, because if you look at all the objectification of women, that is oppression. I, by covering what I want, which is my choice, I'm putting my own sexuality over my own control. I can dress and cover however I want, and my sexuality is in my own control. When a lot of media and magazines are pushing like women to look and like dress with nothing, or and like porn, which is legal in France, I think that's more oppressive than wearing and covering and be able to choose to cover what you want to choose. All right, thank you. Merci. Deux mots. Juste oui, c'est toujours les mêmes arguments qu'on m'avance pour. It's the same arguments that I hear all the time. Alors moi, je suis évidemment contre le porno. I'm against porno as well. L'image qu'on donne des femmes n'est pas une image reluisante. N'est pas. Une image valorisante. It's not an image that values women. Mais jusqu'à nouvel ordre, les films porno. But until we have new rules about porno. Même s'ils donnent une mauvaise image des femmes. Even if it gives a bad image of women. Ne confisque pas des libertés individuelles. It does not infringe on personal liberty. Pour moi, le voile, oui. For me, the veil does. Mais c'est tout le débat que nous aurons encore des siècles et des siècles. But this is a debate that we've had for centuries and centuries, and we will continue to have. Car vous savez comme moi.
Since you know, as I do. Depuis la mort du prophète, salut et salam. Since the death of the prophet. Ce débat a toujours existé dans la communauté musulmane. This debate has always existed in the Muslim community. Moi, je suis très attachée à ce qu'il y ait des lectures progressistes du Coran. I'm for progressive readings of the Quran. L'islam est compatible avec les sociétés modernes. Islam is compatible with modern society. Et le voile qui est un voile castrateur, and the veil that I see as castrating, en réalité désigne dans le principe et l'imaginaire actually creates an image, la culpabilité des femmes d'être femmes. The guilt of having to be a woman. Et remarquez combien souvent, and you will see that often, dans les différentes écoles qui prônent le voile, in the different schools that preach the veil, l'interprétation est faite par des hommes. The interpretation is made by men and not women. Merci. All right. So that your answer actually responded to a first question from Milwaukee, but I have another question from Milwaukee, and so I'm going to tie it together with another question from Cincinnati. They're very short. What can we in the USA and in Milwaukee do to support you and those you represent? And from Cincinnati, do you see a possible application of, they wrote ni pute ni soumise, but neither whores nor floor mats in the USA. Doormats. Doormats. Bon, okay. Or submitted. No, I don't know. I prefer submitted to, I don't like doormats or floor mats or whatever that is. Submissive, no? All right. D'abord pour... Qu'est-ce qui peut être fait en réalité what can actually be done aux États-Unis? In the United States? Ben d'abord, c'est d'être solidaire et être dans le soutien. We need to be to have solidarity and to be a support. De combattre des femmes musulmanes. With the struggle of Muslim women. Et des forces progressistes dans les pays qui se mettent en mouvement. And the progressive forces in countries that are active. Pour l'instauration de démocratie et d'états de droit. For the restoration of democracy and a state of laws. Alors, on est toujours dans le principe, mais la question de la solidarité est très importante. We're still in a theory, but the question of solidarity is very important. La deuxième chose, et je pense que ça va heurter un peu. The second thing, which might be a little bit offensive. Mais ça, c'est un peu ma spécialité. But being offensive is sort of my specialty. Je pense que la politique étrangère du gouvernement américain. I think that the foreign policy of the United States. L'ancien. The former foreign Monsieur policy. Monsieur Bush, pour pas le nommer. Without actually mentioning him, but Mr. Bush. A fait des dégâts énormes dans les pays arabes. Has done terrible damage in Arab countries. La thèse du choc des civilisations. The thesis of clash of civilizations. Clashes of civilization. A été perçue dans le monde arabe et le monde musulman comme une attaque et une guerre directe contre l'islam. Has been seen in Muslim countries as a direct attack upon them. L'intervention des États-Unis, pas uniquement les États-Unis d'ailleurs, mais l'intervention des États-Unis. The intervention of the United States and not only the United States. En Afghanistan. In Afghanistan. En Iran, en Irak, pardon. In Iraq. En Irak, avec ce mensonge d'État qui a eu lieu quand même. With this lie that came from the state. Même si à l'époque le chef en l'occurrence de Saddam Hussein n'était pas ma tasse de thé, c'est pas mon ami. Even if the guy who was in charge at the time, Saddam Hussein, was not my cup of tea. N'empêche que toutes ces interventions font que, par exemple, all these interventions, nevertheless, rajoutent au sentiment d'humiliation des peuples arabes. Add to a feeling of humiliation in the Arab countries. Et qu'on veuille pas, and whether you like it or not, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, whether you like it or not, les États-Unis sont quand même écoutés. The United States is listened to. La voix du président des États-Unis, elle pèse. The voice of the president of the United States has a certain weight. Aussi quand ce type de décisions malheureuses sont prises, and that when there are unfortunate decisions that are taken, ça a un impact dans nos banlieues. It has an impact on our working class neighborhoods. En France. In France. Et nous avons des jeunes and we have young people qui n'acceptent pas who do not accept
ces attaques et cette guerre contre l'islam, these attacks and the war against Islam, et qui, embrigadés par les courants fondamentalistes, and indoctrinated by these fundamentalists, se retrouvent à s'engager en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, become engaged in what happens in Afghanistan, in Pakistan, and in Iraq, y compris au Hamas, par exemple, including Hamas, for example, en Palestine, in Palestine, pour combattre l'impérialisme américain, to combat American imperialism, qui est aussi considéré, which is also considered, comme un ami du sionisme israélien, is an enemy of Zionism. Alors vous voyez bien que tout est imbriqué. So everything is intertwined. Moi, j'ai un profond respect pour la démocratie que représentent les États-Unis. I have a profound respect for what American democracy is. J'ai détesté les mandats de Bush. I detested the Bush years. J'ai trouvé qu'il faisait beaucoup de mal au peuple américain. He did a lot of damage to the American people. Bon, nous, les Arabes, encore, ça passe peut-être. For us, the Arabs, maybe not. Mais le peuple américain, but non. The American people, yes. Et ça a été un grand espoir quand on a vu Obama arriver. And it was with great hope that we saw Obama arrive on the scene. Vous pouvez pas imaginer combien dans nos banlieues. You can't imagine the scene in our working class neighborhoods. On a suivi de très près l'élection d'Obama. When we saw Obama elected. On a même organisé des votes. We even organized votes. Alors comme on est un peu des dictateurs dans nos quartiers. Since we're a little bit dictators in our own neighborhoods. Il a gagné à 99,99%. He won 99.99%. À ce jour, je le dis en boutade, mais c'est vrai. I'm kind of joking, but it's true. À ce jour, and currently, on cherche qui a osé pas voter le petit pourcentage qui n'a pas voté. And we're still looking for the one guy who voted against him. Non mais plaisanterie à part, vous voyez bien que les positions des États-Unis, but kidding apart, you can see that the position of the United States, elles ont évidemment des conséquences. Alors c'est aussi notre manière de nous aider dans le combat contre les fondamentalistes religieux, has consequences for us in our fight against fundamentalism, qui touche tous les pays, that touches all countries, les pays arabes et les pays musulmans en particulier, especially Arab and Muslim countries. Et je crois que pour le coup, faut pas avoir d'état d'âme, il faut être ferme. And I think that we can't have any qualms about this. We have to remain strong. Premièrement, merci beaucoup d'être venu. First, thanks for coming. Votre présence est très appréciée. And your presence is truly appreciated. Les mouvements féministes dont je me considère membre. The feminist movements dont je me considère membre, dont where je fais partie, I consider myself a member, ont tendance à se concentrer seulement sur les hommes, sur les femmes. Has a tendency to be concentrated on women. Seulement. Only on women. Et ma question pour vous, and my question for you, est comment est-ce qu'on peut engager la jeunesse masculine, how can we engage young men, dans la banlieue ou ailleurs, in the banlieue or someplace else, dans le combat, pardon, dans in le the combat, struggle. In the struggle, oh, in the struggle. Oui, c'est une excellente question. It's an excellent question. Depuis toujours, je pense que plus on libère les femmes, plus on libère les hommes. I've always thought that the more you liberate men, the more you liberate women, the more you liberate men. Alors avec ma petite expérience, so with my small experience in this, quand nous avons créé le mouvement Ni Pute Ni Soumise, when we created the movement Neither Whores Nor Doormats, philosophiquement, d'entrée, philosophically, c'est un mouvement mixte. It was a co-educational movement. Alors même s'ils n'ont pas été les vedettes du mouvement Ni Pute Ni Soumise, even if they weren't the stars of the movement at the time, même s'ils n'ont pas été très médiatisés, even if it wasn't very present in the media, il y avait la présence d'hommes et de garçons dans nos there were dans notre combat. Men and boys present in the movement and in our battle. C'est d'ailleurs une valeur que nous défendons, qu'est la mixité. And it's a value that we respect to have this co-educational community. Parce que vous devez le savoir, dans certains de nos quartiers, and you should know, I'm sure you know that in certain of our communities, l'espace est totalement occupé par les garçons. There are spaces that are totally occupied only by males. Et les filles ont été renvoyées dans les maisons. And girls have been relegated to staying in the house. Et pour combattre ce phénomène-là, and to fight against this phenomenon, j'ai demandé tout de suite à ce que les garçons participent. I automatically asked males to participate.
Alors, il ne faut pas se raconter d'histoire, ça a été très difficile. Hein. And it was rather difficult to get them to do that. Il a fallu beaucoup, beaucoup de travail pédagogique. It took a lot of indoctrination. Et je dois avouer quand même. And I must admit que les premiers garçons qui sont venus dans le mouvement Ni Pute Ni Soumise, that the first guys who entered neither horse nor doormats, sont homosexuels. Were gays. Les homosexuels dans les banlieues, je crois que c'est encore pire que les filles. And homosexuals in our neighborhood suffer more than girls. C'est un sujet hyper hyper tabou dans les banlieues. It's a super taboo subject in our neighborhoods. Et je crois que la difficulté qu'ils ont à vivre leur vie sexuelle d'homosexuel. And the difficulty that they have to live their homosexual life. Dans ces milieux-là, in those areas, a provoqué beaucoup de suicides. Has really caused a lot of concern. Alors c'est vrai que quand eux-mêmes ils ont vu arriver un mouvement comme Ni Pute Ni Soumise. So when they saw a movement coming along like neither whores nor doormats. Et au moment où j'ai dénoncé la montée de l'antisémitisme dans nos banlieues. And when I started to denounce antisemitism in these neighborhoods. Mais aussi la montée de l'homophobie. And also homophobia. I was denouncing that. Ils sont arrivés en masse dans le mouvement Ni Pute Ni Soumise. They came in mass then. Ils nous ont beaucoup aidés. And they really helped us a lot. Mais en même temps, on a aussi trouvé des jeunes dans les quartiers qui sont des jeunes qui sont dans les cages d'escalier. And we also were able to get young people who were doing business out of the stairwells in the projects. Avec qui on a fait un vrai travail de proximité, de militantisme. And we tried to work closely with them. Pour expliquer ce que faisait le mouvement Ni Pute Ni Soumise. To explain what was going on in this movement. Pourquoi? To tell them why. Et quand nous libérons les filles, on les libérait aussi de leurs conditions d'oppression économique, etc. And when we liberate the girls, we are at the same time liberating them from their poverty situation. Ma grande victoire. My big victory. Il faut bien aussi que je fasse un peu de satisfaction. Where I was also getting a lot of satisfaction from this. Genre, on a été utile à quelque chose quand même. We were useful for something, so I should mention that. C'est que pendant les grandes manifestations de Ni Pute Ni Soumise, during the big demonstrations of neither whores nor doormats, on avait une mixité sociale extraordinaire. We had a strong co-ed presence. Et pour la première fois, beaucoup de jeunes des quartiers sont venus. And for the first time, a lot of young people from these neighborhoods came. Garçons et filles. Boys and girls. Alors qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de manifester. And they weren't accustomed to marching in the streets. Et ils ont porté avec fierté les t-shirts. And they wore our t-shirts with pride, neither whores nor doormats. En criant le slogan aussi. And shouting out our slogan as well. Et franchement, j'étais très fière. And frankly, I was very proud. De voir des petits Mohamed. To see little guys named Mohamed. Des Mamadou. Mamadou. Crier haut et fort qu'ils étaient féministes. And to cry out at the top of their lungs that they were feminists. Je pense que c'est ce projet-là. I think that it's this project. La construction d'un projet humaniste. The construction of a humanist project. Universaliste. Universalist. Qu'il nous faut tous construire en réalité. That we all need to construct. Pour combattre l'ignorance. To combat ignorance. La haine. Hate. Le racisme. Racism. La xénophobie. Fear of strangers, xenophobia. L'antisémitisme. Anti-Semitism. Toutes les formes de rejet de l'autre qui est différent. And all rejection of the other person who might be different in some way. Et je crois qu'à un moment donné, and I think that at some time, plus on sera associés, the more we associate with each other, dans la construction de ce projet humaniste, in this project, humanist project, quel que soit l'endroit où on habite les uns les autres, no matter where we live, plus en réalité, more in reality, on approchera de la lumière, we would be closer to the light, et plus on combattra les obscurantistes, and we would be able to combat the darkness. C'est pour ça que la question de la solidarité est très importante. And that's why the issue of solidarity is extremely important. Et je voulais savoir, en fait, depuis que la loi est passée, si vous avez des chiffres et des faits concrets qui prouvent que l'impact a été positif de cette loi, et si vous pensez que cette loi va devenir européenne, quels étaient les autres pays au niveau international qui pensaient de faire la même loi, et si vous pensez que les impacts, finalement, auront une conséquence sur l'ensemble de la société, et si oui, quelle est votre opinion? Et je voulais savoir également si ce n'est pas, finalement, une loi qui va passer pour une loi.
si vous voyez ce que je veux dire. Une loi qui ne va pas avoir de valeur finalement, du fait que la lutte est interminable. All right, if I understand, you're looking for statistics on the impact of this law. Okay, so I'm asking again in English. I want statistics over the law, and I would like to know if the law is going to have an impact on the overall society in a positive or negative way, and if you think it's going to be a new European law. Si ça va être une loi européenne, et quelles sont les statistiques contre le burqa, et s'il y aura un impact plus loin que la France. Alors d'abord sur les statistiques, il y a des chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur qui datent de... As far as statistics goes, the Ministry of the Interior? Qui datent de 2012, je crois. I think they're from 2012. Et qui parlent d'une centaine de femmes qui ont été verbalisées. There are about 100 women who were written tickets for wearing the veil. Moi, je fais très peu confiance aux statistiques. And I'm really not confident in statistics. Surtout venant du ministère de l'Intérieur. Especially if they come from the Ministry of the Interior. Parce que j'ai pour mémoire. I have a memory of something. Que pendant les grandes manifestations dont nous avons été à l'initiative, during the big demonstrations that we started, les organisateurs que nous étions, we, as the organizers, avançaient un chiffre, gave a number, de présence de personnes de manifestants, of how many demonstrators we had, et comme par hasard le ministère de l'Intérieur, and just the Ministry of the Interior, divisé par 4 notre chiffre, divided our number by 4, saying we had, you know, only a quarter of what we were able to count. Donc confiance, mais doucement. So I don't trust them all. Donc ça c'est pour les statistiques. So much for statistics. Maintenant sur l'impact de la loi. Now for the impact on the law of the law. Une des premières réussites de la loi. One of the first successes of this law. Contre le port de la burqa dans notre pays, donc le. Against wearing the burqa in our country. Qu'on s'entende bien quand on parle de burqa, on parle bien de la dissimulation du visage, now, et du corps et des mains. When you talk about the burqa, it's something that covers your face, your body, and your hands. C'est ça qui a été interdit dans notre pays. And that is the thing that's been forbidden in our country. Depuis la promulgation de la loi en 2011. Since that law has come into effect in 2011. La première des choses et la grande réussite de cette loi, pardon. The first thing was that there was a huge success of this law. Ça a d'abord été que des filles qui étaient dans l'obligation de le porter. For the girls who were obligated to wear it. L'ont enlevé définitivement. Took it off definitively. Elles ont utilisé la loi. They used the law. Comme moyen de protection. As a way of protecting themselves. Pour résister à l'entourage masculin. To resist the men that were around them, qui les obligeaient donc à porter la burqa, that were obligating them to wear the burqa. Elles ont été lisées cette fois pour leur dire c'est plus possible. And they said we can't do it anymore. It's not possible. Il faut respecter la loi. We have to respect the law. Donc ça c'est une des premières réussites. That was one of the first successes. La deuxième réussite, mais évidemment là vous avez pas de chiffres. The second success, and we don't have statistics on this. Ça c'est les perceptions qu'ont les organisations féministes. This is perceptions of the feminist organization. La deuxième chose, je dirais que the second thing was certaines ont enlevé évidemment la burqa, donc la dissimulation du visage. Some of them, when they took off the burqa and we were able to see their faces, ont transformé la burqa par le hijab, le voile. And they transformed it into the headscarf instead. J'en suis pas satisfaite à 100%. I'm not 100% satisfied. Mais j'espère. But I hope que le processus that the process de retrait of taking it away continuera jusqu'aux orteils. Will continue right down to their toes. Donc il faut continuer. So we have to continue. À faire respecter ces lois. To respect these laws. À renforcer la laïcité. And to reinforce secularism. Et à faire en sorte aussi, parce que ça aussi c'est une réalité. And to also, because this is a reality. Pour assécher le terreau où travaillent les islamistes dans nos banlieues. To dry up the grassroots of the fundamentalists in our neighborhoods. Voilà. Pour mettre en place des politiques publiques de lutte contre le chômage, contre les discriminations. We have to put public forces in place to work against unemployment. Mais je crois qu'il faut pas être frileux sur ces questions-là. But we don't have to. We shouldn't be afraid of these questions. Et sur la question du voile et sur la question de la burqa. On the issue of the veil or the burqa.
Moi, je suis très attachée à l'émancipation des femmes. I'm very attached to the emancipation of women. Alors souvent, on me reproche en me disant, oui, mais tu parles que des burqas, que des musulmanes, etc. And sometimes I get blamed. You only talk about the burqa and things like that. Notamment en France. Especially in France. Mais qui parle de la communauté musulmane et du statut des femmes musulmanes en France? But who speaks for the Muslim community and Muslim women in France? Les mouvements féministes traditionnels existent. There are traditional feminist movements. D'ailleurs, la jeune femme l'a rappelé tout à l'heure. The young woman did talk of that. On est tous pour la parité. We are all for equal representation. Mais une parité avec des burqas. But equal representation with burqa. Ça sent l'obscurantisme et la régression. It has a sense of obscurantism and regression. All right. Well, okay. Well, I think that brings us to the end of the presentation and debate. And I wanted to thank our audiences in Minneapolis and Milwaukee and Cincinnati for joining us, all of you for joining us. I wanted to thank our translator for an exceptional job. And of course, the French Club at the University of Chicago, the French Chicago Center, the embassy, the consulat, etc., all of our sponsors. And mostly, I want to thank Fadela Amara for coming to join us at Chicago. Thank you.